Ma Mission TV, le miroir du monde. C'est impossible, il n'est pas sage. Dans les cas. On s'en allons-y. Je sais que parmi vous, il y a quelque chose de JMK. Parmi vous, il y a quelque chose de JMK. Absolument. Nous allons éviter que, une fois élu, on continue à être député et journaliste. Voilà. Où vous êtes député, où vous êtes journaliste. On ne peut pas faire le deux. Je serai le président de tout le monde. Et de ceux qui égratignent tout petit peu, et de ceux qui applaudissent, parce que, une fois le vote terminé, nous allons organiser ensemble des séances de réconciliation, des rassemblements. La charité est bien donnée. Patrick Local, là. Il est déjà là. Carlo, comment la
Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasoro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence, stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salemananouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasoro. Chez Tremplin Royal, Kanokakae. Bonjour chez vous, chers amis téléspectateurs de Tremplin TV, bienvenue encore une fois de plus dans le monde de la famille des forces de valeur. Nous sommes
comme Raymond lui a baissé, c'était d'aller de part pour Safari Beach. Oui, évidemment, tout ça qui vient d'autres, c'est ma élection. Il y a que vous pouvez installer ma boule de conseil président, il y a UNPC, Union Nationale Presse Congolaise, Kinshasa. Et c'est donc déjà aujourd'hui la grande journée. Et nous sommes déjà ici, et nous sommes en train de parquer, nous sommes en train de la à Safari Beach. Et maman Bibi Kabila présente, même cette vidéo déjà, Congo est un candidat à ma pour mais je vous invite juste pour une minute avec les confrères dans le bus. Vous allez constater l'ambiance et nous allons revenir dans quelques instants. Check à tout de suite. C'est une journée qui reste historique pour la ville de Kinshasa, la province bien sûr. Le comité a décidé et nous ne sommes que des électeurs. Nous allons voter. Merci.
C'est impossible, il n'y a pas sage. Dans les cas. Bon sang, allons-y. Mais pas trois pieds sur le pouvoir. Ah, mais c'est le pouvoir. Bienvenue. La base est mobilisée. Déjà ici, déjà on est là, ça se passe déjà avec un chien gars, donc on est là, donc voilà, on est déjà là. Oh les doyens. Oh, pasteur. Mon frère. Oh, Houssen. Oh, pasteur. Capable de le nom. Vous n'avez pas mangez. 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 Madame, Monsieur, au nom de l'Union nationale de la presse du Congo, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce cadre. Comme vous le savez, ce jour, l'Union, du moins dans la section Kinshasa, va élire un comité directeur. Et cela fait suite aux recommandations issues du Congrès de Rwanda du 5 au 7
octobre 2020. À l'issue de ce congrès, il a été levé comme option de tenir chaque section à travers la République des élections du comité directeur. Ce jour, c'est le jour J. Voici comment va se présenter notre programme. Il y aura un mot de bienvenue du président sectionnaire de Kinshasa. Je citais Jean-Marie Kassamba, jusqu'à preuve des contraires. Il a le flambeau de l'Union. Ensuite, ça sera le président national de l'Union nationale de la presse du Congo qui va faire un mot d'ouverture, justement, pour ouvrir cette Assemblée générale. La commission qui a traité les différentes candidatures, bien évidemment, les prédispositions légales, et qu'en est-il des candidatures retenues et d'autres qui ont été rejetées. Nous allons enfin passer par la validation des mandats des listes des électeurs, parce que est supposé être électeur tout celui qui détient une carte à jour de l'Union, pas seulement, mais aussi celui qui est en règle des cotisations. Et nous espérons que, chers confrères et consoeurs ici dans la salle, tous vous avez réuni ces conditions. Enfin, il y aura vote. Et votre sens de responsabilité au sein de l'Union nationale de la presse du Congo. Nous constituons un corps et nous formons un seul esprit. L'événement d'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de le rappeler. Ça a été un vœu et c'est prévu par les textes qui régissent l'Union nationale de la presse du Congo. Avant de commencer quoi que ce soit, d'où Jésus a anticipé pour notre patriarche, Kasonga Tshilombé, de Rézonemoua, mon prédécesseur, l'ancien président de l'Union nationale de la presse du Congo, qui nous a quittés il y a de cela quelques mois. Mais aujourd'hui, nous pleurons aussi les autres. Nous avons perdu l'éditeur du journal Le Phare, Polydore Mouboyaï, qui nous a quittés il y a de cela quelques jours. Nous avons également perdu l'ADG de la Radio-Télévision Nationale Congolaise, Ernest Kabila Irunga. Les obsèques se sont déroulées ce matin à l'esplanade de la Radio-Télévision Nationale Congolaise, raison pour laquelle certains d'entre nous n'ont pas pu faire le déplacement ici. Donc, je vous prie, une fois de plus, de vous lever pour saluer la mémoire de ces deux chevaliers de la pub. Je n'oublie pas non plus Johnny Kokolo, qui sera enterré également aujourd'hui. C'est l'une des meilleures plumes de la RDC. Mwanda a été un élément déclencheur de la redynamisation des activités de l'Union nationale, des milliers et des milliers d'ailleurs. Mais l'Union nationale de la presse du Congo est la deuxième force de la société civile derrière les confessions religieuses. Cela veut dire qu'à travers les 145 territoires, toutes les villes de la RDC, voire l'étranger, l'Union a des membres très actifs. De ce fait, vous devez être soudés, unis pour la consolidation de la position que nous occupons sur l'échiquier national. Et nous sommes membres à part entière de la Fédération internationale des journalistes, la plus grande organisation qui regroupe toutes les associations professionnelles de médias à travers le monde. Pourquoi
pourquoi avons-nous préféré commencer par Kinshasa? Kinshasa, c'est le miroir de la République démocratique du Congo. Et nous avons dit qu'avant d'aller dans d'autres provinces, il faut commencer par la ville de Kinshasa. Le président sortant, je le cite, Jean-Marie Kassamba, a été élu au même moment que l'ancien comité en 2014. Pour l'une ou l'autre raison, et surtout pour des raisons financières, nous avons connu une petite rallonge qui nous a poussé jusqu'en 2020, c'était l'année passée, que nous avons renouvelé les comités directeurs de 2018 à travers les congrès de Rwanda, financés d'ailleurs par la première dame de la République, la très distinguée, Denise Nyakeru Tshisekedi, et je vous demande de la saluer. Donc je lui transmets vos salutations, mais je vous demande quand même de l'applaudir parce que c'est elle qui a été la meilleure. C'est elle qui a été la. Pourquoi avons-nous connu un glissement? Les gens se sont attaqués à mon prédécesseur Joseph Kasonga Tshilonde, mais ce n'était pas de sa faute. Nous devons le rappeler, depuis sa création, l'Union est margée du budget de l'État. Depuis 2014, le secrétaire général pourra dire quelque chose, l'Union n'a jamais reçu ne fût-ce qu'un stylo de la part du gouvernement de la République. Et de ce fait, Kassamba Tshilonde, l'ancien comité, ne pouvait pas organiser les élections faute de moyens. Il s'est beaucoup battu pour obtenir les financements auprès de Mme Denise Nyakeru. Et vous connaissez que cela a soulevé un tollé. Il y avait des gens qui pensaient que c'était de l'argent destiné à Kassamba Tshilonde, l'argent à se partager. Il n'a pas beaucoup de cas. Et d'ailleurs, jusqu'à ces jours, nous continuons à payer des dettes. L'Union est dans une situation difficile. Monsieur le Président, sortant de la ville de Kinshasa, chers consoeurs, chers consoeurs, chers confrères, messieurs les délégués du ministère de la Justice, messieurs le secrétaire général de l'Union nationale de la presse du Congo, messieurs les membres des commissions de l'Union nationale de la presse du Congo, nous avons lancé il y a quelques mois le cinquantenaire de l'Union nationale de la presse du Congo. Et dans notre feuille de route, nous avons prévu plusieurs activités. Et parmi les activités prévues, la redynamisation, l'organisation des élections dans toutes les sections provinciales de notre pays. Vous avez certainement suivi qu'il y a eu beaucoup d'agitation, mais cela est inhérent au fonctionnement d'une institution véritablement démocratique. Nous, membres du comité directeur, moi, votre président, de par nos statuts, je n'ai aucun pouvoir de nommer qui que ce soit au Bureau national de l'Union nationale de la presse du Congo. Nos statuts, les textes qui nous régissent sont clairs. Si quelqu'un veut être président dans une section provinciale, il n'a qu'à remplir les conditions et à postuler. Et à Kinshasa, nous avons vu que c'est depuis que nous avions annoncé l'organisation des élections, on a observé qu'il y a certaines personnes mal intentionnées et qui tentaient de troubler l'ordre au sein de leur propre maison. Vous ne verrez jamais un avocat prévoir la destruction, la démolition du barreau malgré les divergences qui existent entre les avocats. Vous ne verrez jamais un médecin prôner la destruction de l'ordre auquel il appartient malgré les divergences. Les pharmaciens, il en est de même. Et d'ailleurs, mon secrétaire général, notre secrétaire général, l'avocat conseil de l'Union nationale de la presse du Congo et d'autres membres ont subi des agressions verbales, voire des agressions physiques.
Mais nous, nous sommes dans une dynamique de la redynamisation de l'Union. Nous n'allons pas céder à ce genre de provocations. Et nous n'allons pas non plus afficher une sorte de laxisme ou de naïveté vis-à-vis des provocateurs. Nous allons interroger plutôt nos textes pour savoir quelles sont les dispositions pour que les fauteurs de troubles répondent de leurs actes. Voilà. C'est ce qu'ils vont faire après cette cérémonie. Alors, je vous invite, chers confrères, à bannir la jalousie. Je vous invite à bannir la médisance. Je vous invite à un esprit de convivialité. Nous sommes une confrérie. Nous formons une famille. Ce qui nous unit doit être plus fort, plus noble que ce qui nous divise. Certes, nous sommes dans une société démocratique. Chacun a son avis. Chacun a son opinion. Mais regardons plutôt l'avenir de la corporation. Avant la mort de Kasson Gatinode, il le disait, et je le cite, « Je voudrais léguer l'Union à une nouvelle génération. » Et il pensait à la jeunesse. Moi qui étais son policier, premier vice-président, il a tellement admiré qu'un jeune soit avec lui et nous avions formé un duo qui aurait dû être formidable. La mort qui l'a arraché juste 45 jours après le congrès de Rwanda qui nous a élus. J'ai constaté que depuis un certain temps, les rivalités politiques, les divergences communautaires ont tendance à affecter notre corporation. Nous ne sommes pas dans une logique politique. Les rivalités politiques, la concurrence, laissons ce champ aux acteurs politiques. C'est vrai, ces rivalités nous fournissent la matière. Nous, en tant qu'historiens du présent, les techniciens de l'information, nous voulons également qu'il ait ces rivalités pour que nous ayons des matières à traiter dans nos rédactions. Mais ne copions jamais, jamais ce que font nos politiciens. Je vous invite à consolider les acquis de Rwanda, à regarder vers l'avenir. L'Union ne peut pas être une structure à problème. J'attends de chacun de vous des projets pour le rayonnement de l'Union nationale de la presse du Congo. Nous sommes la deuxième force de la société civile de notre pays. Est-ce que nous nous rendons compte de la responsabilité qui est la nôtre? Et rappelez-vous qu'il y a peu, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décrété un état de siège sur deux provinces, l'Ituri et le Nord-Kivu. Et parmi les recommandations du président de la République, il a sollicité avec insistance l'accompagnement de médias. Il sait ce que nous représentons. Nous sommes une force. Et cette force-là, nous devons la porter pour le bien de notre pays. Et d'ailleurs, l'année passée, il avait dit qu'il comptait sur l'Organisation générale des États, l'Organisation des États généraux de la presse, que chacun de vous appelle de tous ses voeux. Et je crois que le président de la République, qui tient à donner réellement aux presse, à la presse pardon, sa dimension du quatrième pouvoir va nous accompagner. Aujourd'hui, c'est Kinshasa. Demain, ce sera une autre province. Nous avons commencé par la ville de Kinshasa. Kinshasa va donner les coups pour le renouvellement de tous les comités provinciaux et ça va se poursuivre jusqu'à la fin de cette année. Donc, l'UTT, le Covid, nous serions peut-être à l'étape de la 10e ou de la 11e province. Et le secrétaire général
tous les membres du bureau exécutif et moi-même, nous nous sommes éclipsés pour donner plus d'indépendance à la commission qui a travaillé pour l'organisation de l'Assemblée générale de la ville de Kinshasa. Mais nous avons constaté que des personnes de mauvaise foi nous ont vilipendés, ils nous ont insultés. Mais le drame aurait été pour nous de reculer alors que qu'on s'était engagé sur la bonne voie. J'appelle chacun de vous à voter en âme et conscience pour voir comment nous pouvons redynamiser les activités de l'Union nationale de la presse du Congo. Procès verbal de traitement des candidatures. L'an 2021, le sixième jour du mois de juillet, nous, membres de la commission chargée de réception et des traitements des candidatures aux élections des organes statutaires de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, section ville de Kinshasa, avons tenu de 10h à 19h au siège de l'Union nationale de l'UNPC une séance de travail à l'effet de procéder au traitement des candidatures aux différents postes à pourvoir au sein de cette section. Ces élections s'inscrivent dans la suite du 9e congrès qui s'est tenu en mandat, province du Congo central, du 5 au 7 octobre 2020. Sur décision du bureau exécutif, numéro 001/06/UNPC/PE/JNM/2021, du 5 juillet 2021, portant création d'une commission chargée des traitements des candidatures à l'Assemblée générale élective de la section UNPC de Kinshasa. Avons reçu pour traitement, au terme du délai fixé par le dépôt des candidatures, un total de 16 candidatures, dont 3 au poste de président, 2 au poste de vice-président, 2 au poste de secrétaire, 2 au poste de secrétaire adjoint, 1 au poste de trésorier, 6 pour la commission des disciplines et d'éthique professionnelle, 0 candidature pour le collège des commissaires aux comptes. Point 1. De la composition du bureau de la commission. Au terme de la décision du bureau exécutif dont le numéro venait d'être évoqué, du 5 juillet 2021, portant création d'une commission chargée de traitement des candidatures à l'Assemblée générale élective de la section UNPC Ville de Kinshasa, la commission est composée de 4 membres et qui s'est organisée comme suit. Président de la commission, Maître Jonas Sengalamoulube Mbiaye, avocat conseil de l'Union nationale de la presse du Congo, rapporteur, M. Merveille Maelenge Irenge, membre, M. Moïse Moussanana et Jean-Marie Bassa. Point 2, ordre du jour. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir le traitement des candidatures. Point 3, du déroulement. Sous la conduite de son président, la commission s'est donnée en premier lieu la tâche de parcourir les textes qui organisent les élections au sein de l'UNPC pour en dégager les critères d'éligibilité devant conduire à l'examen des candidatures en toute objectivité. Après confrontation des textes, la commission a retenu l'article 26 du règlement intérieur de l'Union qui fixe les conditions d'accès à ces différents organes, tant au niveau national que provincial. Cet article dispose « Les candidatures au comité directeur de l'Union sont déposées individuellement ou par des associations membres et doivent comporter A. un acte de candidature dûment signé par le récipiendaire, B. une photocopie des cartes de presse en cours de validité, C. une preuve attestant au moins 15 ans d'exercice de la profession et dans une fonction de commandement pour le comité directeur et 5 ans pour les autres organes. Afin d'expliciter les critères, la commission a voulu donner un entendement précis à chaque critère d'éligibilité afin de garantir le strict respect du texte. A. Acte de candidature dûment signé par le récipiendaire.
Il s'agit d'un document écrit par lequel l'impétrant exprime sous sa plume son ambition à briller tel ou tel autre poste. Une photocopie de la carte de presse en cours de validité. Il s'agit d'une copie libre de sa carte de presse en cours de validité à laquelle est jointe sa preuve de cotisation de l'exercice en cours devant confirmer sa qualité de journaliste. C'est une preuve d'au moins 15 ans d'exercice de la profession et dans une fonction de commandement pour le comité directeur et 5 ans pour les autres organes. Il s'agit ici de tout acte matériel devant prouver que les candidats avant d'occuper les fonctions qu'ils sollicitent a déjà une expérience antérieure aux fonctions de commandement, c'est-à-dire ayant sous ses ordres des subalternes pendant au moins 15 ans pour celui qui veut briguer au comité directeur, entendu comité national, et 5 ans au moins pour les autres organes et dispose de pouvoir de décision. Après dépouillement des candidatures, la commission a constaté que plusieurs candidatures étaient incomplètes. De ce fait, elle a levé l'option d'accorder une faveur à tous les candidats pour leur faciliter la chance d'être retenus et de faire revêtir les caractères démocratiques aux élections prévues pour ce vendredi 9 juillet 2021. Au poste de président, la commission a constaté que la candidature de M. Kazadi Mamba-Joseph manquait la preuve d'au moins 5 ans d'exercice de profession et c'est dans une fonction de commandement comme l'exige le règlement intérieur en son article 26. La commission a ainsi chargé son président de l'appeler pour lui demander de s'y conformer de manière exceptionnelle. Ce qui fut fait par un appel à son numéro de téléphone 081-86-96-220 à 12h12, à 12h13 et 12h15, sans réponse. Vers 12h21, sous demande de la commission, un autre membre l'appelait sans succès. Par la suite, le président a contacté l'avocat du candidat Kazadi Mamba-Joseph, Maître Bassin Pembe, pour lui signifier de faire parvenir à la commission l'élément faisant défaut. Ce dernier a loué la sagesse de la commission et a promis de le faire. À la suite de l'insistance de la commission, le candidat Kazadi Mamba-Joseph a pu finalement transmettre par WhatsApp son CV en format PDF. Ce qui a permis à la commission d'examiner sa candidature et de constater que le seul poste de commandement qu'il a occupé est celui d'administrateur gérant de Actu7.cd depuis 2020. Le même exercice a été fait pour les comptes du candidat Mutombo Mutombo Onassis, joint à son numéro de téléphone 0-81-00-38-858 par le même canal. Il a transmis son CV à travers duquel il se dégage que le seul poste de responsabilité qu'il a occupé est celui de directeur général et responsable éditorial de www.art.cd depuis 2017. La commission a poursuivi le même exercice pour les candidats d'autres postes. Les détails des traitements figurent dans les tableaux ci-dessous. Encore à ce niveau, la commission rappelle que tous ces appels ont été bien enregistrés pour que quiconque contesterait qu'on n'a pas appelé d'être confronté à la preuve matérielle existante. Dès l'examen des candidatures au regard de l'article 26 du règlement intérieur de l'Union, des articles 6 et 7 des statuts de l'UMPC fixant les conditions d'appartenance à l'Union et des articles 2, 3, 5 et 6 de l'ordonnance loi numéro 81/012 du 2 avril 1981 portant statut des journalistes ayant en République démocratique du Congo, seules 8 candidatures ont été retenues, à savoir 1 au poste de président, 1 au poste de vice-président, 1 au poste de secrétaire, 1 au poste de secrétaire adjoint, 1 au poste de trésorier, 3 pour la commission de discipline et d'éthique professionnelle. 8 candidatures ont été donc rejetées pour soit de défaut de paiement de cotisation, soit pour non-conformité au prescrit de l'article 26 du règlement intérieur de l'UMPC. Tableau synoptique de traitement des candidatures. Candidature reçue.
dossier aux éléments manquants et de la suite réservée. 1. Jean-Marie Kassava, élément du dossier. Lettre de candidature du Monsigné. Une photocopie de sa carte de presse en cours de validité. Une preuve de cotisation annuelle. Une copie de sa carte d'électeur numéro 11-243-93-420-220. Un CV. Une carte APA numéro 002 de l'exercice 2000 à 2005. Acte de qualité du directeur général de Télé 50 et président sortant UNPC ville de Kinshasa. Élément manquant du dossier n'ayant. Suite réservée par la commission candidature retenue. 2. Kazadi Mamba Joseph. Élément composant son dossier. Lettre de candidature du Monsigné. Une photocopie de sa carte de presse en cours de validité et de cotisation annuelle. CV envoyé sur demande de la commission. Élément manquant, manque d'expérience aux fonctions de commandement pour au moins 5 ans. Conformément à l'article 26 du règlement intérieur de l'Union à son point C. Suite réservée par la commission, candidature rejetée pour non-conformité à l'article 26.C du règlement intérieur de l'UNPC. 3. Mutombo Onassis. Élément composant son dossier. Lettre de candidature du Monsigné. Une photocopie de sa carte d'électeur en cours de validité et de cotisation annuelle. CV envoyé sur demande de la commission. Élément manquant. Manque d'expérience aux fonctions de commandement pour au moins 5 ans, conformément à l'article 26 de l'Union nationale de la presse du Congo, point C. Suite réservée, candidature rejetée pour non-conformité à l'article 26.C du règlement intérieur de l'UNPC. 4. Monsieur Didier Bouquet. Lettre et éléments composant son dossier. Lettre de candidature du Monsigné. Une photocopie de sa carte de presse en cours de validité et de cotisation en lieu place d'un CV et l'envoyer d'un texte. Élément manquant, pas de CV, en dépit de l'appel de la commission, mettant la commission en difficulté d'apprécier son expérience. À la suite d'un recours déposé par ces derniers, un CV avait été déposé pour compléter l'élément qui a manqué. Malheureusement, de l'analyse de son CV, aucune mention n'avait été faite concernant son expérience en tant que responsable au poste de commandement. Suite réservée, candidature rejetée pour non-conformité à l'article 26.C du règlement intérieur de l'UNPC. La section Kinshasa pour la nouvelle équipe ici dans ce majestueux qui a doté le Safari Beach, mais cependant nous signifions ici, assez loin du centre-ville et de nos rédactions, nous ne pouvions pas emmener tous ici nos journalistes. Je suis responsable d'une rédaction de la place. Ici, je viens représenter mes collègues qui m'ont donné leur carte pour venir voter à leur place parce que l'on doit faire. Toutes les questions seront vidées avant les élections. Tranquillisez-vous et
s'agitait pas sur vous. Merci. Je crois que pour ceux qui étaient à Mwanda, vous savez qu'à Mwanda, on a toléré et accepté le vote par procuration à certaines conditions. La première, c'est que la personne qui vient doit réellement être porteuse d'une procuration dûment validée et notifiée. En dehors de la procuration, la personne qui délègue le mandat doit être détentrice d'une carte de presse en cours de validité. Raison pour laquelle ceux qui ont de procuration dûment certifiée devront les faire valider à la commission ou au responsable chargé des validations de mandat qui est le délégué du ministère de la Justice. Voilà la réponse à cette préoccupation. Invitez tous ceux qui se font valider, comme il l'a rappelé M. le secrétaire général, de faire toujours référence à leur pièce, à leur carte de presse. Cela, c'est pour nous rassurer certainement de leur qualité de journaliste. Je crois, M. le secrétaire général, c'est cela. Exact. Alors, pour nous conformer, la commission tend à présenter les candidats retenus à l'appréciation de l'Assemblée générale, de telle sorte que seule la parole soit accordée au porte-étendard, qui est le président des candidats, président sectionnaire, Védeki Tchassa. Et si dans l'équipe il y a une dame, pour que l'on ne dise pas que c'est là où la femme n'a été que privilégiée, elle devra aussi à son tour prendre parole. Elle est tout pour 5 minutes chacun. Les autres, étant donné qu'ils feront partie du bureau, ils ne vont pas prendre parole. À partir du moment où nous présentons les candidats à sa propre succession, il devient réellement et proprement candidat et donc va créer son quartier général pour sa stratégie avant le vote. Nous allons commencer par le premier candidat qui a été retenu au poste de président sectionnaire ville de Kinshasa. Monsieur Jean-Marie Kassamba. Monsieur Lokala Lokola. Il est où? Monsieur Pierrot Mbouyou. Il y a un candidat qu'on a parlé. Cela étant, nous donnerons la parole au candidat président sectionnaire. Kinshasa, bonjour. Bonjour Kinshasa. Bonjour. Mais ça cache-nous. J'aurais voulu avoir 30 minutes, 45 minutes de discours programme. Peut-être j'aurais voulu avoir une heure de discours programme. Mais je suis obligé. Je me vois dans la contrainte de synthétiser ces mots par quelques précisions. De quelle manière, ça? Je disais que je sais que parmi vous, il y a quelque chose de JMK. Parmi vous, il y a quelque chose de JMK. Absolument. Kinshasa aujourd'hui respire
les médias de Kinshasa, de la RDC, tournent au rythme de la modernisation, au rythme de l'expertise, de l'excellence, mais aussi au rythme du journalisme de qualité. De par la formation, de par l'accoutrement, de par la conception des émissions, mais aussi de par le style de vie, de l'ambition. Dans chacun d'entre vous, lorsque vous concevez votre carrière aujourd'hui, vous vous dites, je verrais bien ressortir de moi quelque chose qui ressemble à Jérémy. Rien que par cette fierté-là, je me sens à l'aise à Kinshasa. Lorsque j'avais accepté, et je salue ici, le président, notre vénérable président, Joseph Boka, Kassoumé-Koubna, qui m'avait convaincu à son temps de rejoindre la presse de Kinshasa comme responsable. Il y avait un témoin ce jour-là, M. Copin, qui doit être quelque part, qui m'avait dit, président, ce que vous faites avec fauteuil blanc, Télé 5 ans, nous aimerions que la presse de Kinshasa ait le même élan. Et aujourd'hui, je suis fier, lorsque je suis invité dans d'autres chaînes de télévision, que les journalistes déploient des prouesses, des efforts pour être assez nombreux. Quel chemin parcouru. Lorsque nous fûmes avec des émissions sur des plateaux où on transpirait, sur des plateaux où on cachait les micros dans les poches de fleurs, lorsque le coupage n'était qu'à 20 dollars. Aujourd'hui, les journalistes de Kinshasa peuvent monter des concepts à 1000 dollars, 5000 dollars, 10000 dollars. Certains sont déjà des propriétaires. D'autres des conseillers respectés dans des cabinets ministériels. Suivez mon regard. Chacun se retrouvera dans cette phrase. Où autrefois, on disait, les amis de la presse, voyez avec l'attaché de presse qui va s'occuper de vous. Aujourd'hui, par une simple intervention sur un plateau de télévision, vous avez un coup de fil d'un ministre, d'un député, qui vous dit, est-ce que je peux vous voir? Ah oui, oui. Kinshasa doit refléter la presse responsable, la presse ambitieuse, la presse respectée, homme, femme. À partir du moment où vous êtes journaliste à Kinshasa, on doit vous respecter. Aujourd'hui à Kinshasa, on n'arrête pas un journaliste sans que son président ne revendique, ne vienne le chercher. Je suis d'accord. Là, vraiment, je ne tolère jamais, quelle que soit son obédience, quel que soit son comportement, quelquefois on écrasille le président. C'est lui qui a écrasillé le président, s'il est inquiété le lendemain, je suis à son chevet. Je ne l'ai fait pas plus qu'hier. J'ai enterré les journalistes de Kinshasa. J'ai soigné les journalistes de Kinshasa. J'ai accompagné parfois dans le bonheur. Oui, effectivement. Jamais marié suffisamment. Y compris dans ma propre entreprise. Ils sont venus stagiaires. Ils sont répartis mari et femme. Et ils eurent beaucoup d'enfants. Oh, oh. C'est public, hein. Et
projet d'organisation des élections dans ma vie autre que journaliste, j'enseigne aussi. Et donc, il y a même une de mes étudiantes qui est parmi nous. Je ferme la parenthèse. Et je vous dirai que nous allons faire des réformes. Je dois d'abord vous remercier au collectif des journalistes de Kinshasa pour m'avoir apostrophé tout à l'heure sur ce qui va changer. Parce que quand vous parlez du siège, lorsque nous sommes arrivés à Kinshasa, on nous a appris qu'on avait vendu notre siège. Ça me dit que j'ai des 10 minutes et demi, j'aurais voulu avoir 50, 30, mais je vais après. Votre président a sorti de sa poche 2 500 $. J'ai demandé, cotisons 2 500 $ pour ajouter notre garantie. Le sacerdoce a duré pendant 5 ans. Comme il en est de même pour la carte de presse, comme il en est de même pour l'habituel, rappelez-vous qu'avec notre président parti, nous avons signé avec un mine unique dans la commune de Kinshasa pour avoir l'habituel, ou plutôt l'assistance médicale en cas de besoin. Eh bien, cette signature, on n'a pas pu l'honorer parce que pas de cotisation au niveau de notre corporation. Nous devons nous départir de cette culture de pas d'obligation, seulement des droits. Le président n'est pas un magicien, même si aujourd'hui, ici à Safari Beach, on n'a pas bénéficié d'un sponsor, à la différence de Mwanda. Je pense que on prendra un verre, on va partager un verre et on va rentrer chez nous avant de son portail. Et donc, mais ça, pourquoi j'ai aidé ? Vraiment, pour nous, ne pas aller dans le sens. Et donc, notre ADN. Ayons la culture de la cotisation. Ça va nous éviter. Je vais citer juste un nom. Quand nous avons enterré la regrettée des Congo Web, vous vous rappelez encore? Tu nous as quitté. Votre président a eu le sursaut pour qu'elle soit dans un beau cercueil, pour qu'on puisse aller l'enterrer à un bon endroit, pour qu'on puisse faire la plaie. On a fait des réunions et des réunions. Mais j'ai attendu. La réponse n'était pas venue. Pour qu'on évite cela, il faut qu'on puisse avoir la culture de la cotisation. C'est très important. Nous allons réformer notre profession au niveau de la ville de Kinshasa qui va donner l'exemple. D'abord pour l'accès à la carte. Et là, je vais déranger notre président national et la commission de la carte. On ne va plus 2022, donner la carte à n'importe qui. Ouais, c'est tout ça, sur tout ça. Il faut répondre aux critériums quand même. Amen. Faire partie, d'abord avoir une formation. Oui. Ensuite, faire partie d'une vraie rédaction. Ensuite, avoir la capacité de cotiser. Parce que quand on va dans nos. Hein, dans nos bars et tout ça, avec nos bis, maman. On ne dépense pas moins de 20 dollars. Bon. Deuxième balle. Oui. Deuxième balle. Que les fanatiques de la notion de vice, maman, m'excuse. On a toujours envie de plaire plus à la vie, à la vice maman qu'à la maman titulaire. Deuxième balle. Deuxièmement, nous allons restreindre l'accès à notre métier. Nous allons, rédaction par rédaction, identifier qui est journaliste, qui ne l'est pas. L'accès aux événements, conférences de presse, voyages de presse,
accréditation. Il faut qu'on sache quand même. Moi, je parle avec tous ces ministres, tous les députés, etc. On pose une question. Tel travaille dans mon équipe de presse. Est-ce qu'il est journaliste? Je vais conclure, s'il vous plaît. Laissez-moi parler un tout petit peu à mes confrères et consoeurs de Kinshasa. Nous allons restreindre. On va nous critiquer que l'UNPC est devenu une forteresse. Ça va le devenir au niveau de la ville de Kinshasa. Pour nous éviter qu'on nous arrête, qu'on nous invective, qu'on nous mappe, nous allons former éthique et déontologie professionnelle. Nous allons former. La commission de formation au niveau de la ville de Kinshasa va publier un chronogramme des séances de formation. Ça partira des B.A.B.A. des journalistes pour ceux qui ne le sont pas vraiment en rappel de ce que vous avez appris à l'ISTI ou enfin à l'IFASIC. Pas d'ISTI pour nettoyer. Jusqu'aux nouvelles technologies de formation des communications. Mais aussi sur les textes des lois qui nous régissent. Pour qu'on ne puisse pas confondre éditorialiste, commentateur, intervieweur et analyste. Ce sont les gens qui feront. Nous allons vous aider à partir aussi, à voyager, à quitter le pays. Pas seulement de Lumila qui a tendance à partir. Ni à Serge Kabongo. Nous allons nous faire respecter au niveau des institutions. Nous apprenons que dans des cabinets ministériels, lorsqu'on est installé, on n'a pas de vrai contrat des consultants. Voilà. Il faut qu'on soit embauché avec contrat spécialiste. Nous allons éviter que, une fois élu, on continue à être député et journaliste. Voilà, voilà. Ou vous êtes député, ou vous êtes journaliste. On ne peut pas faire les deux. Et enfin, nous allons à Kinshasa donner l'exemple en cotisant. Nous avons une commission qu'on avait été à l'État Rwanda. Nous allons cotiser nos $50 pour avoir une caisse. Cette caisse qui va nous servir un peu de bouée de sauvetage en cas de problème. Ça s'agira au niveau du comité national. Pour que notre président national, son secrétaire général, ait des béquilles d'intervention. Et enfin, votre président continuera à faire ce travail de bouclier. Je serai à vos côtés. Quelle que soit la tendance, respectons les tendances, mais lorsque vous êtes journaliste, vous êtes d'abord sous protection de votre président, au niveau de la vie de l'Église. Faites-moi confiance avec votre autorisation. Oui, oui. Juste pour terminer, je serai le président de tout le monde. Et de ceux qui égratignent un tout petit peu, et de ceux qui applaudissent, parce que une fois le vote terminé, nous allons organiser ensemble des séances des réconciliations, des rassemblements, des troupes pour nous galvaniser pour l'avenir. Et vous verrez que on gagne toujours ensemble. Merci. Bonne chance à tous. Le siège. Nous allons récupérer notre siège qui a été spolié. Et nous allons délocaliser centre-ville à l'image de votre président. Et croyez-moi, vous êtes là. Deuxièmement, quand on vous appelle, vous venez, vous vous faites identifier pour que votre vote soit validé. Donc, je considère à ce stade que tout le monde s'est fait inscrire sur la liste devant
les délégués du ministère de la Justice. Si cela est fait, nous allons donc passer la parole au président de la commission électorale avec sa liste et son équipe afin de procéder à l'organisation du scrutin. Et j'ai l'espoir que les bulletins de vote sont déjà apprêtés. Merci. Thank you.
Jeff Sai. Après ça pousse à ta il y a Carlo Cora Jack. Nous allons.
femme dans votre tête. C'est bien écrit. Qui a écrit? Je ne sais pas. Si, si, c'est moi. Aidez-moi. C'est moi. Madame, après, je sors. Diego. Passa a mão.
grâce à moi. 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 Mais c'est le président. Grâce à moi. 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 Jean-Marc Grâce à moi. 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 Thank you.
Jean-Marie Kassamba. Kassamba. Le président réuni à la manière de Paul Kagame, à la manière de Sassou Nguesso. Assemba viva! Viva! Du comité directeur du bureau exécutif de l'Union nationale de la presse du Congo, j'ai dit très sincèrement merci à tous les confrères journalistes qui se sont mobilisés pour renouveler les comités, la section provinciale de Kinshasa. Mes très sincères félicitations à M. Jean-Marie Kassamba qui se succède à lui-même pour un nouveau mandat. Bonne chance à lui et à toute son équipe. M. Jean-Marie Kassamba, nous avons été vilipendés, nous avons été attaqués. Mais je vous demanderai d'avoir un grand cœur que vous avez toujours eu. Vous l'avez toujours manifesté. Vous êtes un parent pour beaucoup au sein de la population. Un formateur de cette heure. Mais si vous êtes votre patient, soyez attentif comme vous l'avez toujours été. Soyez à l'écoute. Comme vous l'avez toujours fait, et je vous demande de fédérer tous les journalistes de Kinshasa. Vous avez un grand cœur, j'ai vu des attaques personnelles, et j'ai demandé à tous les confrères d'être courtois, d'avoir le sens du respect mutuel entre nous, la convivialité. Évitons la médisance, la jalousie. Encourageons les bonnes initiatives. Jean-Marie, vous avez encore 4 ans devant vous. Vous allez gérer des tensions, vous allez gérer des problèmes, mais ne reculez pas. Regardez plutôt les acquis de Moana. Il faut consolider votre pouvoir, solidifier votre période. Soyez rassembleurs. Ne vous occupez pas de ceux qui veulent vous détourner des bons objectifs. Nous sommes là pour travailler, mais dans la main, ceux qui se comportent comme des anarchistes, la commission de discipline s'occupera de vous. Nous sommes des démocrates et des légalistes. Raison pour laquelle nous associons toujours le ministère de la Justice dans tout ce que nous faisons pour montrer que notre élection est transparente, crédible. Le corps électoral nous a choisi avec notre staff. Nous allons prévoir une cérémonie d'investiture. On va vraiment vous remettre les symboles parce que vous les avez quand même renvoyés au Bureau national de l'Union de manière provisoire, en attendant que vous soyez réunis. Maintenant que vous êtes réunis avec
votre comité, nous allons organiser une cérémonie officielle au siège de l'Union nationale de la presse du Congo la semaine prochaine. Et le pouvoir demande aussi une dimension mystique. Et Jean-Marie Kassamba, qui travaille sur l'aspect mystique de l'UNPC, va retravailler les symboles de l'Union à vous remettre. Donc, il y aura une cérémonie initiatique avant l'investiture officielle pour consolider et solidifier l'impérium et le pouvoir au niveau de la section de Kinshasa. Ce qui vient de se passer aujourd'hui sert d'exemple pour les autres provinces. Et pas à pas, nous allons renouveler tous les comités, toutes les sections de l'Union nationale de la presse du Congo. Chers confrères, chers consoeurs, mesdames et messieurs, en votre titre d'égalité respectif, messieurs les délégués du ministère de la Justice, je crois que nous avons agi en toute légalité et que notre démarche a été la plus saine possible. J'ai dit et je vous remercie. Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasulo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors concurrent, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence, stade municipal de Barumbu. Pour tout contact,
Appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salemananouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanama Solo chez Tremplin Royal Kano Kakae. Ma Mission TV, le miroir du monde.